Ce qu'on tamise, c'est ici c'est de l'argile. La densité des charbons permet de trouter en fait. Et du coup, en les tamisant, on sépare la terre des charbons. Forcément, le tamisage se consomme de l'eau. À Fanjeaux, on a mis en place une machine à flottation. Donc c'est une machine qui fonctionne en circuit fermé. C'est pour ça que l'eau elle est aussi boueuse vers la fin de la cuve, pour éviter de consommer trop d'eau pendant les périodes de sécheresse. Mais bon, on s'adapte aussi au terrain. Ce qui flotte tombe dans le tamis en bas, et ce qui ne flotte pas reste au fond ici. Et ça, on le trie soit à la main, soit en laboratoire, dépendamment un petit peu de la richesse des artefacts. Et donc à Fanjeaux, typiquement, on a beaucoup d'os, de la céramique, un résidu de métallurgie, une scorie. Et les charbons, c'est comme les barbecues, un peu plus fragmentés. Donc ça garde le même aspect, en fait, comme c'est imputrescible après carbonisation, le bois, que ça date d'hier ou d'il y a 5000 ans, c'est le même aspect. Donc après ça, cette partie-là, je la prends au laboratoire, c'est pour l'anthracologie. Si ça se trouve, dedans, il y a des graines qui sont mélangées, mais on les voit pas très bien parce que les graines, elles sont carbonisées également, donc elles sont noires, on dirait du charbon. Et au laboratoire, donc sous loupe binoculaire et sous microscope, on les différencie un à un, en les cassant manuellement, et en allant chercher une coupe propre de l'anatomie. Le bois, c'est pour faire quelque chose. C'est la première source d'énergie durant les temps préhistoriques et les premiers temps historiques, jusqu'à l'époque de la révolution industrielle. Et donc le bois, ça sert à se chauffer, à manger, à créer des objets, ou encore à transformer du minerai par exemple, transformer des objets. Donc c'est vraiment, ça sert dans tous les contextes, domestiques ou artisanaux. Et c'est pour ça qu'on le retrouve en si grande quantité sur tous les chantiers, qu'ils soient donc des sites potiers ou des sites d'habitat de toute période. Voilà, nos ancêtres n'étaient pas aussi bonnets qu'on le pense, et qu'au contraire les systèmes en place étaient extrêmement complexes et extrêmement bien ficelés. Donc c'est ces petits témoignages, moi, qui m'intéressent, qu'on ne trouve plus à travers les textes, puisque les textes ont disparu depuis, mais grâce à l'anthracologie ou la carpologie ou la palynologie, on peut reconstituer. Donc les charbons, les graines et les pollens. Montrer à tout le monde à quel point les systèmes qui étaient mis en place sous l'Antiquité étaient déjà complexes en termes de silviculture, et que les Romains n'ont pas détruit le patrimoine boisé méditerranéen, et au contraire qu'ils ont réussi à le stabiliser malgré leur consommation assez intense en bois. Bénévole de l'association Labarqueo. Quelques-uns à participer au chantier. Sous toutes ses formes, nous avons la trésorière qui participe, nous avons un ingénieur hydrologue aussi qui participe, qui vient régulièrement voir l'état des sources. Je mets tremper les tessons dans un premier bac, là, et ensuite je les lave par petits bouts, comme vous le voyez, et systématiquement je rince mes tessons. Je sais que ça fait rire beaucoup d'archéos, mais je rince mes tessons. La fouille, c'est une étape. Si on veut que ça serve à quelque chose, après il faut étudier les morceaux qu'on trouve. Et pour les étudier, il faut qu'ils soient lavés, pour que tous les repères soient bien visibles. Alors quand j'entends laver, c'est pas la vaisselle propre qui sort du lave-vaisselle, hein. Je ne suis pas là pour décaper, c'est pas le but. Je ne pense pas que dans l'archéo, il y ait une tâche ingrate plus que l'autre. Chaque tesson est différent. Dans ceux de ce matin, il n'y a pas de poinçon, donc je ne peux pas vous en montrer. Mais même, laver des morceaux d'os, petits, gros, moyens, c'est pas la même chose que de laver des tessons. Chaque tesson est différent. Certains, comme ceux-là, sont ce qu'on appelle mal cuits, donc ils se délitent très facilement, donc je ne les ai même pas lavés. Je les ai juste passés dans l'eau. Ça n'a rien d'ingrat du tout, mais je le fais vraiment par plaisir. Là, ce matin, il n'y a pas trop de monde qui passe au lavoir, mais comme ce lavoir est un lieu de vie, ben, en même temps, on parle des fouilles, je leur montre ce que je suis en train de laver, et ils viennent aux visites, puisqu'il y a des visites tous les samedis, et la dernière aura lieu mercredi soir. Et oui, la ville de Fanjeaux suit ça avec intérêt, bien sûr. J'ai commencé à Fanjeaux en 2019 et il y avait énormément de monde. Et l'avantage du conditionnement, c'est tout simplement qu'il y a moins de monde qui le fait, donc c'est plus calme. J'avais besoin d'un peu ce moment de calme, donc du coup, je me suis mis là-dessus. Et puis après, comme je reviens chaque année, je continue à faire la même chose, donc c'est bien. Par exemple, ici, il y avait 3 US différentes, du coup, qu'on a séparées avec des bouts de bois. Quand ils sont en nettoyage, ils mettent un petit peu tout sur les clés comme ça. Et puis, du coup, moi, je les resépare avant de les mettre en sachet. Donc là, j'ai mis tout ce qui est terre cuite et pierre d'un côté. Je suis en train de mettre la céramique dans le petit sachet qui est là. Puis, par exemple, il y a déjà de l'os ici. Donc, je vais mettre l'os à côté et je ferai un petit sachet en plus pour mettre l'os dedans. Chaque sachet, normalement, on écrit sur le sachet et puis on écrit aussi une petite étiquette en plus parce que sur le sachet, ça peut partir. Par contre, sur les étiquettes, le problème, c'est par exemple, comme les gros sachets où j'ai montré, de temps en temps, l'étiquette, elle passe sous les tessons. Donc, on la voit pas directement. Donc, c'est bien d'avoir 2 fois l'information. On conditionne et puis après, on doit faire appel aux spécialistes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont répétées. Par exemple, ici, on a... Enfin, moi j'inventorie aussi, je dois mettre à part tout ce qui est poinçon, parce qu'on les étudie séparément, mais du coup je dois faire une étiquette avec, enfin je dois faire un sachet avec des poinçons. Et ça va entre 20 minutes et 2 heures pour vous. Le conditionnement ici, j'ai tellement l'habitude de le faire que je réfléchis pas trop. De temps en temps j'écoute des podcasts beaucoup, de la musique, on parle un peu avec les gens qui sont autour. De temps en temps quand il y a des gens qui viennent quand même regarder quelques pièces, on réfléchit aussi sur les pièces, ce qui peut être sympa. Maintenant, après, comme c'est assez systématique, il faut toujours être quand même un petit peu concentré, parce que bon, c'est des grosses pierres, c'est facile de dire que c'est une pierre. Par contre, parfois, c'est vrai qu'avec la céramique, on se pose un peu plus de questions. Notamment ici, je dois vérifier toutes les céramiques pour qu'il n'y ait pas de poinçons dessus, donc il faut quand même être concentré un petit peu. Non, après, il ne faut pas non plus... c'est pas comme rédiger un rapport, il ne faut pas être 100% dessus, focus. Après une journée de fouilles, ça fait du bien d'avoir un truc un peu moins... intellectuellement intensif. Ouais, je crois qu'on va faire un petit bout. Au premier abord, c'est au toucher, en fait. Surtout pour quelque chose comme Fanjeaux, où c'est des rebuts de production. On peut avoir des changements de couleur et sur certains vases qui sont le même vase, et on passe du noir au jaune, par exemple. Donc, faut pas travailler à l'œil, on peut, mais c'est d'abord au toucher. Donc, sentir si la pâte, elle est calcaire ou si elle est sableuse. Et ce qui est le cas ici, puisqu'ils font les deux. Et ensuite, il faut reconnaître les vases et les trier par vase. On va mettre tous les vases qui se ressemblent d'un même côté, d'autres vases qui ressemblent à autre chose à côté, et ensuite on essaye de retrouver un à un chacune des formes, et puis de les poser à plat en écrasé sur la table. Bah, ça permet d'avoir toutes les connexions simplement posées, donc du fond qui est vers nous jusqu'à la lèvre qui est au-dessus, et on voit toutes les connexions, et ensuite on n'a plus qu'à les remonter. Le son, ça c'est très bien parce que on entend la cuisson, donc en fait, des fois ça aide à catégoriser par période parce que les pots médiévaux ils vont être beaucoup plus cuits alors que c'est la même pâte, ça arrive. Bah, ça peut être tintant, ça peut être mat, ça peut être sourd, et en fait ça permet de comprendre la cuisson, donc au niveau du son ça marche vraiment bien, et on peut repérer aussi en tapant sur les pots s'ils sont cassés, s'il y a des fêlures à réparer ou pas. Si le pot va bientôt casser, donc faire attention. Et donc ça c'est un bon indice, donc on l'utilise en troisième, je dirais. Et ça sert beaucoup d'avoir une mémoire visuelle. Ça apaise beaucoup parce que, alors ça peut être dur hein, au début, surtout quand on débute, parce qu'on ne comprend pas, on a du mal à voir comment organiser les tessons, mais après c'est vraiment bien le recollage, c'est comme un puzzle en fait, hein, simplement, ça apaise, on pose les choses à plat, et puis quand on comprend bien, qu'on voit les formes, il suffit de les poser, puis ensuite on répare tout, alors là c'est bien, après on fait des objets complets, quoi. Donc c'est ouais, c'est plutôt très positif comme sentiment. Hugo, il hésite à faire de la céramologie, c'est très rare et c'est très recherché, donc on va faire en sorte de le motiver là-dedans, dans ses études, pour qu'il puisse faire un master dès l'an prochain. Des jeunes céramologues, il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui s'accrochent et qui vont passer ensuite dans le milieu professionnel, et dans les boîtes d'archéologie, ils en cherchent vraiment, donc c'est une denrée. Voilà. Et tu essayes de le garder. Quand tu vois, tu fais ces deux-là, ces deux-là. Là, tu fais les trois d'un coup. Ces deux-là, ces deux-là. Deux tessons de fond en même temps. Et puis, tu peux recoller aussi le col en même temps. Pour les céramologues, de toute façon, c'est beaucoup de travail de recherche bibliographique, de connaissances qu'il faut lire. Et on ne peut pas seulement demander, même si on peut le faire, à une base de données de sortir tous les sites archéologiques avec un type de four particulier. Mais en fait, il faut quand même les lire. Donc ça se remplacera pas comme ça. Et c'est pareil, pour nous, on travaille beaucoup à observer les pattes. Et même si on peut demander demain à un ordinateur de le faire, ça facilitera, peut-être que ça accélérera le processus, mais ça ne pourra pas nous remplacer. Parce que de toute façon, après, derrière, il faut réfléchir, il faut écrire, il faut lire beaucoup. On ne peut pas le remplacer, même dessiner, collecter toutes les données. Est-ce que tu peux me couper un bout de tes as, s'il te plaît? Plus ça va, plus je vois qu'on comprend peu de choses et qu'il y a plein de choses à découvrir. Donc ça aiguise aussi mon appétit de curiosité, en fait. C'est comme ici, un atelier, en fait, on connaît une petite partie de la vaisselle. Il y a quelques centaines de mètres de carrés qui sont fouillés, mais tout ce qui est à côté, on ne le connaît pas, tout l'environnement, on ne le connaît pas. Et pourtant, cet atelier, il est quand même étudié, alors qu'il y en a plein d'autres qui le sont pas. Ce qu'on entend aussi régulièrement, ça arrive à tout le monde, c'est à quoi ça sert ce qu'on fait. Et en fait, ça sert que, en fait, on connaît vraiment très peu de choses. Même maintenant, aujourd'hui, si on veut parler de l'Antiquité, on connaît certaines choses. Il y a ce qui est dans le livre d'histoire, il y a ce qu'on peut apprendre quand on va à l'école, etc. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et qui sont juste là à attendre. Donc, c'est à ça que ça sert ce qu'on fait. Hein. Je vais sortir. t'as pu numériser les autres dessins ou... Je sais pas, ouais, ok, qu'on fout tous les...